lines are being drawn as we speak. Whose side are you on? Control the secrets, and you control the cities. Death is just the next step. You first. Incoming! Take cover! Steady! Steady! The balance of Ravnica is about to change, and change is good for us. Et bonjour tout le monde, c'est Revanzmil et bienvenue sur Magic Arena. On continue avec notre Popper Vampire. On va voir ce que ça donne. On va tenter. 24-36, c'est un vampire, un petit vampire, mais il faudrait que je la joue un peu plus agressif. Si j'ai de la chance à la première main, ça passe. Ouais, bon, moi j'ai toujours gardé Jace. Je joue un Planeswalker bleu qui joue blanc. Ouais, ça peut se tenter. Oui, on garde. On garde, ça se tente, puisque. Tour 2. Non, mais je joue le mana, qu'est-ce que lui. Tour 2. Selon ce qu'il joue. Aïe. Ensuite, pour... Ça dépend de ce que j'ai. Fallait s'en douter. Ce mec est un enfoiré. Ok, je suis dans la merde. Là, je suis vraiment dans la merde. Mais putain, au secours. Je peux pas jouer ça parce que c'est... Je peux pas le jouer puisque j'ai pas de créature. Il me manque un putain de mana. Putain, mais il me manque un mana et je vais perdre à cause d'un manque de mana. Ah, au secours. Aïe. Lui, il va me sortir un blast. Oh, ça va être un peu cramé. Mais token. Double blast, mais qu'est connard. Oh, mais merde, je suis tombé contre un deck blast. Eh, chier. Bon, là, sans mana, je vais avoir du mal à gérer un deck blast. Je vais même pas pouvoir gérer un deck blast. Blast kick en plus. Super. Ok, je suis mort. Passer le tour. Je peux rien faire. Hein. Oh merde, en plus, je suis obligé de me défausser d'une carte. Super. Ouais, bah ça. J'ai pas de mana, mais c'est la galère. Tout à l'heure j'avais trop de mana, j'ai perdu. Là j'ai pas de mana, je perds. Non mais t'es sérieux. Mais foutage de gueule. Bon, bah passez le tour. J'ai pas de mana, bon, c'est mort. Il a gagné. Je pouvais pas gagner là. Mana death. Ça arrive. Mais c'est vraiment pas de chat parce que pour un deck 24-36, c'est le random du jeu qui est pas avec moi. Bon, c'est pas grave. Bon, ben hop, une victoire, récupérer mes récompenses, 200. Arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et perdez 4 points de vie. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 4 démons avec des noms différents, vous gagnez la partie. Petite question, à tout hasard. Collection. Les démons, combien j'en ai? 1, 2 et 3, il m'en manque un. Bon, démon, on va juste on va en non obtenu. Qu'est-ce que j'ai? Ah d'accord. On va être compliqué de jouer des démons. 4 démons, je sais pas où est-ce qu'il les trouve. 1, 2... Mais il n'y a pas d'autres démons, il n'y en a que 3. Alors elle sert à rien. Mais à rien du tout. Au début de votre entretien... 1, 2, 3. Ah non, 4. Créer un jeton de créature 6-6 noir démon. Ouais.
C'est la seule solution pour, pour jouer le pacte de Liliana, c'est d'avoir le rituel de Belzenok derrière. Ou un nom à la con. Donc on a dit à la dernière vidéo qu'on essayerait notre deck, c'était lequel? C'était celui-là que j'avais amélioré. L'équipage captivant, on va l'enlever. On va aller dans le rouge, on va rajouter quelque chose de plus agressif. Faut un truc plus aggro, mais un peu cher. Plus aggro. Le riche marin, je peux pas l'enlever. La barrière, je peux pas l'enlever. La flibustière est très intéressante, car pas cher. Le vaurien à vider, toujours utile. À moins qu'il y ait quelque chose qui coûte un qui soit bien aussi, non. Terminé. Il doit être mieux. Il doit être un peu plus équilibré. Donc tu me changes ça. Tu me prends les millions de trésors. Et on y va. Bon, malheureusement, le Pauper Vampire, ça s'est pas passé comme je le souhaitais. Mais c'est pas grave. La première partie, c'était très bien passé. La deuxième a failli bien se passer. Voilà, mais tant pis. La troisième, ça a été un massacre. On va essayer de faire mieux. Ce sera peut-être une défaite, hein, c'est possible, sinon c'est pas grave. Au son. Ouais, 23h, on s'en fout un peu. Merde, j'ai oublié de charger le feu, je commence à le sentir, je suis gelé. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça, c'est rigolo. Bah, bah, gardez. Bonjour. Hop. Tu me prends un pirate. Terminat. Ados, à las dos, je joue l'empoisonneuse. À las dos, l'empoisonneuse. Ouais, j'aurais dû la jouer plus tard, mais je voulais jouer une carte. Elle a le contact mortel. Tu veux un truc, tu bloques, t'es mort. Même si c'est une 12-12. Ouais, c'est contact mortel, tu touches, ça crève. Nicole Bolas, première main, oui, bien sûr. Ça fait quoi ça? Non, aucun attaquant. Non, pas tant de temps. Oui, le Bolas, hein, le gros tank. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. Oui, c'est bien. Et ensuite, pour 4, 5, 6, 7, c'est voilà. On le transforme. Voilà. J'aimerais bien avoir du mana par contre, ça m'intéresserait. Je voudrais un terrain. Ouais, bah, ou alors cet épisode s'appelle Mana Death. Cet épisode va s'appeler Mana Death. Passez le tour. Putain, j'ai que des gros trucs en main. J'ai Rai, j'ai deux Planeswalker, j'ai la jouissance des trésors, j'ai l'assassinat. Dans l'idée, il me faudrait un mana. Un seul mana, s'il vous plaît. Un mana. S'il vous plaît, donne-moi un mana. Non mais t'es sérieux? Passez le tour. Fais chier. Dégage-moi cette merde. Putain. Je suis un mana d'Aston tout le long. Là, c'est vraiment la malchat de la vidéo. La vidéo précédente. Full chat, full mythique. La preuve, voilà, c'est Rai vice-roidisé. Voilà, donc bon. Voilà. Ah bah putain, ça y est. Passez le tour. Putain, il m'a pas proposé ancêtre et dragon, cet enfoiré. Pour lui là. Bon, on sera un mana sinon classique quoi. Résolution. Ah mais ouais, mais les pirates gagnent plus en plus d'héros, donc je peux taper avec le navire. Résolution. Tu peux attaquer. C'était une belle attaque. À moi. Ça, je suis désolé, mais ça reste pas. Non, en fin de tour. Ce sera très bien. Ensuite, à 5, encore un mana et je me débarrasse de ça. Il faudrait. Ou alors si j'ai un rouge, je tente lui. Et après je peux regarder. Attaque. Oui. Résolution. Oui, non. non, ça. Un mana, s'il vous plaît.
Les habiletés que j'ai joueurs, puis vous pouvez lancer la fin du combat. Et merde. Le trésor. Combat. Tac. En attaquant. Fin de tour. Et là, j'ai mon terrain. Bah, résolution. Oui, encore résolution. Vas-y, pioche les cartes. Fais-toi plaisir, Maurice. Je prends 6. Parce qu'il y a cette merde. C'est la bibliothèque de chaque joueur. Puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de cartes. Non, terrain exilé de Samir. Sans payer leur coup de mana, mais c'est fumé. Mais Étalie, la tempête primordiale est juste fumée. Et bon. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Ah oui, merde, mais bah oui, il veut taper avec la 6, donc bon. Malheureusement, je suis coincé. Là, je pense qu'il tape à 10 dans l'idée. Ce serait le plus logique en tout cas. Ouais, bah résolution. Résolution. Je crois que je suis mort parce qu'il est très agressif en face. Un deck dinosaure, c'est très violent. Résolution, je peux rien faire. Oui, si tu veux la jouer, tu peux la jouer. Hein. Oh non, ah bon, c'est le mana qui me reste. Oui, il a un gros deck dino en fait. On a un gros dinosaure en face de nous. Ça va devenir très compliqué. Aïe, aïe, oula, aïe. Donc. Dis au revoir à ton gros, à ton truc. Mets du noir. Au revoir. Non, ça on le fera plus tard. Donc, fin de tour. 2, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ma faute. Résolution. Ma faute. Ah, je suis trop con. J'ai perdu, mais comme un con là. Alors là. J'ai une main qui est trop chère, malheureusement. Donc va falloir que je réduise le coût de mana du jeu. En enlevant des trucs trop chers. Le sommeil est bien, mais. Non, mais résolution. Fais-moi pas chier avec tes trésors, toi. Oui, de toute façon contre. Regardez-moi ce dinosaure en face. Oh, mais regardez-moi ça. J'ai aucune chance. Faut dire ce qu'il est. J'ai aucune chance. Là, faudrait se cacher derrière la capuche. Là, Jace, faut se cacher derrière la capuche. C'est même pas la peine. 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est violent. Tu vas me le mettre pour un. On va quand même jouer. Voilà, on va jouer. C'est juste pour jouer le bolas que je fais ça. Je m'en fous du reste. J'ai perdu. Coucou. Juste l'animation qui est ultra classe. C'était juste pour voir ça. J'ai perdu donc bon. Eh, quitte à avoir perdu, autant perdre avec panache. Ouais, fous-moi ça au passage. Donc, rouge. Non, combat, attaque, fin de tour. Ben, résolution. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, résolution. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est joli le bolas quand même, il est super classe. Et j'aime beaucoup l'animation quand il a joué. Enfin, quand je l'ai joué. Bon, ben, j'aurai pas l'occasion, malheureusement, de le tester réellement. J'ai aucune chance. Je suis mort. Ouh, joli, celle-là aussi est jolie. C'est vrai, on avait déjà vu ça. Putain, mais regardez-moi ça. Mais c'est insane en face. Oh, c'est dingue. Qu'est-ce que je fasse avec mon pauvre. Ouais, bah, il faudrait que je change un truc. On va refaire un deck.
Mais on va le laisser de côté, les 1001 trésors. On va faire un bleu, rouge, noir. Rituel. Si on peut. Ouais, bah résolution. Résolution, pardon. J'ai oublié de cliquer. Ouais, on fera un bleu, rouge, noir, rituel. Très bien joué. C'était joli. C'est joli. Non mais, pardon. Putain, mais ça, ces trésors, ils m'emmerdent. Aïe. Blocage. Non, aucun bloqueur, j'ai aucun espoir. J'ai aucun espoir de survivre. Et bien joué à toi aussi. Bien joué. Si tu veux booster tes bestioles, vas-y, hein, te gêne pas. Te gêne pas, je ferai rien. Ouais, bah, blessure. Aïe, 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 aïe. Arrgle. Bon, mais on va refaire un meilleur deck que ça. Celui-là, il aurait un espoir, mais en poppers, en fait. Donc, bon. Faire un deck. Bleu, rouge, noir, sort. Deck. Plus. Bleu, noir, rouge, deck. Mets tout. Mets pas ça. Non. Ouais, mets ça. Ah oui, non, c'est quoi? Non, c'est multi. Donc, on va le faire. Acquire le vol jusqu'à la fin du tour. Pourquoi? Ouais, non. Oh, putain. Mes suggestions automatiques de merde, dégage-moi de là. Dégage-moi de là, saloperie. Donc, on va déjà jouer des bestioles. Ça, c'est intéressant. Ensuite, créature sujet comme joueur, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ensuite, non, le contre-carré, le sort ciblé n'est pas très intéressant. Un. Non, merde. Non, dégage. Voilà. Deux. Voilà. Ensuite, nous avons. Pourquoi pas? 1, 2. 1, 2. Malheureusement, ça c'est trop ciblé, ça aussi. 1, 2. 1, 2. Non, ça c'est pas assez utile. 2, ça c'est rentable. De toute façon, là on va bourrer juste. On va juste bourrer et après on en triera au fur et à mesure. Non. De toute façon, on va trier, on va faire du tri. Non, artefact, non. Renvoyer une carte de créature ciblée, non. Vous piochez une carte, non. 1, 2. Casse rien, il faut contrôler un autre pirate, non. On continue. Pourquoi pas? Non, ça c'est trop ciblé. Le vaurien, il peut bourrer. Peut être pratique. Faire un point de vie, vous gagnez un point de vie. Si vous contrôlez un vampire, non. Ascension, toutes les créatures gagnent moins de moins de jusqu'à la fin du tour. Non, l'harpie vorace, non, on va l'enlever. Défausser une carte, voilà, donc ça c'est intéressant. Ensuite, la flibustière, faut que je la mette, très important. Pourquoi? Merde. Pourquoi pas? Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Why not? Why not x2? Ensuite, tu vas mettre ça. Tu vas mettre ça. Et... pourquoi? Non, c'est trop cher. C'est trop cher. Donc, 1,
2. Ensuite, les créatures ciblées acquièrent le piéto. 1, 2, 3, 3. 1, 2. Là, j'ai beaucoup trop de cartes, je le sais très bien. 1, 2, 3. Ça servira toujours à bourrer, c'est toujours intéressant. Vous pouvez jouer cette carte tour-ci. Non, j'ai pas assez de créatures pour pouvoir sacrifier des trucs en fait. Saccage, si on a attaqué. Voilà. Pourquoi pas? Là, ça peut être intéressant par contre. Le phénix, oui, toujours. Ça se prend toujours. Ensuite. Pff, juste à la créature ciblée. N'importe quelle cible. Non, donc on va. Hop. Chaque fois que vous surveillez, renvoyez la commande de son propriétaire. Et quand vous piochez une carte et chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc ça, c'est intéressant. Le bolas, toujours. Trop rentable pour ne pas être pris. Ok, donc on est bon. Donc on va commencer à enlever du bordel. Donc ça on va garder, le vaurien vide, on l'enlève, le choc, on le garde, renvoyer une carte d'éphémère. Ou de rituel, le plus loin. Et ça c'est intéressant. Ensuite la dispersion, on la garde. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Piocher deux cartes, défausser vous d'une carte. Donc on va enlever les divinations. Le gobelin rusé, on l'enlève. Le squelette réassemblable, on l'enlève. Le nœud, on le garde. Ça on le garde aussi, révocation. J'en ai pas une autre. Ça c'est toujours intéressant. Toutes les créatures gagnent moins de dégâts jusqu'à la fin du tour. Si vous avez gagné les créatures que vous avez... Non. C'est pas suffisamment rentable. Ça c'est pas utile non plus. Plus que 13 cartes à enlever. Chaque fois qu'un dragon arrive sur champ de bataille sous votre contrôle. Non. Non plus. Créer un jeton rouge. Ouais, ça c'est bien. Parce que c'est une créature qui est bourrin. Un truc qui. Voilà. Qui reste là. Un truc, il est tanky. Juste pour voir. Il est où? Vous gagnez à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel. Cet emblème affiche 4 blessures à n'importe quelle cible. Donc le dragon d'os, on peut l'enlever. Le chuchoteur de mort, on peut le garder parce qu'il peut être utile. Ça, on peut l'enlever. Non, ça c'est trop cher. Mon deck est trop... coûte pas cher encore, donc... Non, ça c'est trop ciblé. Ça, qu'est-ce que je vais en foutre? Ça, c'est rentable. Parce que ça coûte rien et il me faut de la pioche, je suis obligé. Alors, il me faut de la pioche, j'ai dit. J'ai pas l'habitude de créer ce genre de deck, donc je vais faire des erreurs, ça c'est certain. 38. Ça fait trop cher. Ça fait encore trop juste pour pouvoir être correct. Non, ça il faut que je le garde, ça c'est rentable. Je fasse attention à pas jouer. Ça peut être utile, mais j'ai pas eu l'occasion trop de le jouer. La révocation, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de la jouer. Ouais, là, j'ai un bon mix. Donc, le sommet de crâne de dragon. Ensuite, il me faut celui-ci.
Bleu, noir, rouge, noir. Je dois avoir un rouge bleu qui traîne. Non, j'ai pas. Y a pas de rouge bleu? C'est la merde. J'ai pas obtenu un deck rouge bleu? Non, bah non. Ouais, bah j'en ai deux, ça suffit. Ouais, il m'en faut un troisième. Y a pas la chie, il m'en faut un troisième. Donc un rouge bleu. Même s'il arrive à engager, c'est pas grave. Donc ensuite, tu me donnes les terrains. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc s'il fait 7, 21, 22, 23, 24. Donc, combien de temps? 24 minutes. Ouais, donc on va s'arrêter là. On a un test de deck rituel. On le gardera pour moi pour demain, quand les quêtes seront revenues. Donc les quêtes là, voilà, quand tout ça se sera revenu. Donc celle-ci et celle-ci. Donc bon, bah, les gens, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et bye bye, c'était Rava 11 000.